Et salut à tous, j'espère que vous, ça va, moi en tout cas ça va très très bien. Très heureux de vos derniers retours, je voulais vous dire merci déjà de tous les gens qui sont abonnés, qui ont mis des commentaires vraiment très gentils, qui m'ont donné beaucoup de motivation pour continuer un peu dans ce challenge on va dire. Et les gens qui ont liké aussi, donc vraiment mille fois merci pour ça, ça m'a fait très plaisir et chaud au cœur. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va être le début d'une série de guides que je vais vous proposer sur FM. Donc la première ça va être comment créer votre carrière avec les paramètres les plus optimaux donc pour votre carrière et votre carrière en ligne. Ensuite on verra aussi pour tout savoir sur la tactique, sur votre gestion du groupe, sur les transferts, sur les infrastructures du club, mais aussi les attributs des joueurs par exemple. Donc vraiment ça va être une série qui va aller à chaque fois en détail dans chaque paramètre du jeu. Donc n'hésitez pas à la suivre si vous êtes novice ou même expérimenté, vous allez pouvoir apprendre quand même des choses. C'est un jeu qui est tellement complet FM qu'on peut toujours apprendre 2-3 trucs à travers différentes vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre cette série. Donc là, comme je vous ai dit, on va voir comment créer une carrière, une nouvelle partie carrière, mais aussi une carrière en ligne. Donc là, vraiment, ça va être les préférences pour votre partie en ligne. Premièrement, ça va être ici pour permettre aux utilisateurs de rejoindre votre partie. Vous pouvez laisser tout le monde, puisque dans un deuxième temps, vous allez mettre le nom du serveur et ensuite vous allez mettre un mot de passe à votre serveur. Donc il n'y a pas de souci, vous pouvez laisser à tout le monde. Comme ça, au moins, si vous avez des amis d'amis, vous n'avez pas en amis sur Steam, par exemple, ils vont pouvoir quand même rejoindre votre partie sans problème. Donc là, je vais aller très rapidement au niveau de la carrière en ligne. Les options de la partie, obliger l'adjoint, désactiver le contrôle match amico, ça va vraiment être à vous de voir et avec vos collègues de voir comment vous voulez mettre ça. La chose la plus importante que je voulais vous dire, surtout en carrière en ligne, c'est vraiment l'option calendrier ici, c'est de mettre utiliser les samedis et mercredis comme jour de match. Donc pourquoi c'est très important? Ça va être très important pour avoir tous vos matchs en même temps que vos potes. Parce que sinon ça va être terrible quand votre pote il joue le samedi, que vous jouez le dimanche, vous devez vous taper tout son match le samedi et après pouvoir jouer le dimanche. Alors c'est plus sympa de jouer en même temps. Donc là le calendrier va être calculé sur tous les mercredis et les samedis. Bien sûr, sauf si vous êtes éliminé en coupe et que votre collègue il continue en coupe et que le match il est le mercredi, ben là vous allez devoir vous taper le match. Ça c'est obligé. Mais ça vous permet vraiment de d'un gain de temps parce qu'on adore les carrières en ligne, mais qu'est-ce que ça devient un peu chiant quand même quand on met 1 heure de jeu, vous avez fait un match par exemple. Donc là, cette option de calendrier, c'est vraiment la priorité pour votre paramètre au niveau de votre carrière en ligne. Ensuite, au niveau du traitement, donc ici, je vous le conseille si vous êtes plus de deux. Parce que si vous êtes que deux et que vous êtes qu'avec un collègue, vous pouvez très bien lui dire bon, allez, vas-y, passe, je t'attends. Donc ce sera plus rapide, mais quand vous êtes trois ou même cinq, ça peut vite devenir désagréable. La première option que je vous propose, c'est naviguer. Donc ici, naviguer après 1 minute, je trouve ça assez correct. C'est à chaque fois que vous passez d'un jour, ils ont 1 minute pour passer à l'autre jour maximum, c'est-à-dire que si vous faites tous continuer au bout de 20 secondes, bah, le jeu passera quand même à la journée d'après. Donc ici vous pouvez laisser 1 minute ou 2. Bien sûr ces paramètres vous pouvez les mettre dès le début et voir un peu et vous adapter si vous trouvez que c'est trop rapide ou trop lent. Donc ça n'hésitez pas à les changer en cours de partie, il n'y a aucun problème. Après je vous propose de laisser et de ne pas toucher le reste, tout simplement parce que quand vous êtes en pleine tactique et que imaginez vous mettez un peu plus de temps parce que vous n'avez pas eu le temps de la faire, vous êtes en train de voir vos remplaçants machin qui vous allez faire jouer, vous hésitez. Vous n'avez pas envie qu'au bout d'une minute ça vous passe et que vous soyez ken parce que vous n'avez pas eu le temps de finir votre tactique. Donc pour résumer, pour la carrière en ligne, le plus important vraiment c'est de mettre l'option calendrier, utiliser les mercredis et samedis comme jour de match, comme ça vous êtes sûr de tout jouer en même temps. Après au niveau des autres options, ne changez pas, laissez comme ça au minimum. Et après ici, je vous propose que si vous êtes 3 ou plus de 3 joueurs. Une dernière chose que je voulais vous dire par rapport aux carrières en ligne, n'oubliez pas que l'hôte, ce sera celui qui aura la partie sur sa sauvegarde et que si lui n'est pas actif et qu'il ne vous propose pas la partie, vous ne pourrez pas pouvoir y jouer. Donc bien sûr, les carrières en ligne, vous devez jouer ensemble. C'est-à-dire que l'hôte, eh ben, il accueille la partie. Et celui qui va faire la sauvegarde, mais il pourra quand même jouer même si vous n'êtes pas là. Donc c'est-à-dire que les équipes qui normalement sont contrôlées par vos collègues seront remplacées par l'IA pour les journées qui sont simulées. On passe maintenant à un point très très important pour que votre partie soit le plus réaliste possible, mais aussi pour que vous puissiez le plus régaler avec une base de données la plus étendue possible. Mais en fonction aussi de votre PC, c'est-à-dire que si votre PC n'est pas très puissant, vous allez devoir vous limiter au niveau des championnats, et je vais vous expliquer un peu les différences et les points les plus importants à mettre pour que votre carrière soit le plus agréable possible pour vous. Donc tout d'abord, au niveau des championnats, ce que je vous conseille, c'est les 6 plus grands championnats européens, donc France, Allemagne, Angleterre, Espagne, Italie, et il faut rajouter aussi le Portugal, parce qu'au Portugal, il y a énormément de grosses pépites, donc vraiment, il faut les mettre. Et après, ici, je vous ai rajouté aussi le Brésil, parce que le Brésil, c'est pareil, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de pépites à aller chercher, et souvent, les Brésiliennes sont très, très fortes, donc c'est important d'avoir aussi ce championnat en jouable. Donc la différence entre jouable et non jouable est très simple, c'est-à-dire que pour jouable, les équipes seront complètes, il y aura tous les joueurs, et les matchs seront simulés, et donc vous allez pouvoir aussi les entraîner, donc si jamais vous voulez changer de championnat pendant votre carrière de coach, et bien vous allez pouvoir. Par contre, le fait de le mettre en jouable, bien sûr, ralentit beaucoup plus votre jeu, alors que à l'inverse, non jouable est très utile pour par exemple simuler les championnats, donc c'est-à-dire que les joueurs vont être fatigués parce que les matchs vont avoir lieu, mais en non jouable, il risque de vous manquer quelques joueurs, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir tous les joueurs de toutes les équipes, les joueurs seront en grisé, comme vous pouvez le voir souvent, et donc ça frustre un peu quand vous voulez chercher une pépite qui est en grisé, donc vous n'allez pas pouvoir la recruter. Donc c'est très utile de mettre en non jouable pour les petits championnats.
que vous voulez pas contrôler et vous voulez pas aller recruter beaucoup de joueurs dans ces pays-là. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir. Moi, j'aime bien mettre au niveau de l'Europe pour la Coupe d'Europe et la Ligue des Champions, mettre un peu tous les championnats un peu de deuxième zone. J'aime bien aller les mettre en non jouable. Si bien sûr vous n'avez pas le PC qui est très développé, si vous avez un très bon PC, mettez-les en jouable, ce sera beaucoup plus plaisant pour vous. Donc ici, c'est important de venir aussi mettre au moins la deuxième division parce qu'on sait bien qu'il peut y avoir des très très bons joueurs dans les deuxièmes divisions aussi, de bons jeunes joueurs. Ce qui est important aussi, c'est le championnat que vous choisissez. Si par exemple vous entraînez une équipe en Ligue 1 ou en Ligue 2 ou en National, très important d'aller mettre le plus bas du pays où vous entraînez. Pour les championnats, je vous conseille d'autres championnats que vous pouvez prendre. Bien sûr, si vous avez un PC qui est beaucoup plus puissant, je vais vous proposer aussi le Pays-Bas où il y a d'énormes pépites, l'Argentine également. Et après, moi j'aime bien prendre la Chine, mais ça c'est vraiment, ça dépend de vous. Pour des championnats qui sont un peu moins, on va dire, compétitifs, vous pouvez mettre que la première division, par exemple, pour les Pays-Bas. Également pour le Brésil, vous pouvez mettre que la première division, l'Argentine pareil. Donc voilà, ça c'est un peu le minimum pour les championnats que je vous propose. Après, vous pouvez toujours rajouter des championnats, bien sûr, ça c'est plus votre PC l'est capable, ben, rajoutez-en le plus possible, c'est toujours un régal. Et si votre PC assume un peu moins, mettez les championnats en non jouable. Au moins, les équipes vont quand même simuler les matchs et ça va rendre votre partie un peu plus réaliste. Donc n'hésitez pas à vous régaler. Au niveau maintenant de la base de données, mettez base étendue, toujours. Vraiment mettez-la parce que si vous mettez base réduite, même si vous mettez jouable, vous risquez par exemple de ne pas avoir des jeunes pépites du PSG, je sais pas, qui ont 15 ans, et ben le jeu ne va pas vraiment prendre toute la base de données complète. Donc c'est vraiment dommage de se retrouver avec des joueurs qu'on ne peut pas aller chercher parce qu'on n'a pas mis la base de données étendue. Donc pour la configuration personnalisée, vous allez pouvoir influer sur 4 paramètres. Donc au niveau du continent, donc vous allez pouvoir sélectionner l'Afrique, par exemple l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Asie, l'Europe et l'Océanie. Au niveau des régions, après, vous allez pouvoir sélectionner par exemple l'Europe de l'Est, l'Europe centrale. Donc ça va être plus ciblé au niveau des régions. Après le pays, bon. Et la division, vous allez pouvoir sélectionner aussi une division plus précise. Donc ça c'est très utile, par exemple, je sais pas, vous voulez absolument avoir toutes les nations du monde. Donc moi ce que je vous conseille pour tous ces continents, c'est de vraiment tous les sélectionner et à chaque fois de sélectionner internationaux actuels. Comme ça au moins vous avez tous les internationaux et les joueurs les plus importants. Et donc au niveau international, ça va être vraiment être cool et ça va rajouter une base de données. Mais ça va vous rendre votre jeu beaucoup plus réaliste où les compétitions internationales vont être beaucoup plus intéressantes. Donc là ici, vous pouvez voir les étoiles après qui vous donnent votre vitesse de jeu estimée. Donc ça va dépendre de votre PC. Donc c'est important de s'y fier, mais c'est pas non plus très très juste. Donc n'hésitez pas, si vous savez que vous avez un très bon PC, rajoutez des championnats et régalez-vous pour que votre carrière soit le plus kiffant possible pour vous. Donc là maintenant, on va finir au niveau des options avancées. Donc moi ce que je vous conseille, donc utilisez joueurs et membres du staff généré. Donc ça, ne cochez pas. On veut les joueurs qui sont réellement dans la base de données. On veut pas que le jeu nous génère des joueurs aléatoires. Ensuite, ne pas utiliser le calendrier réel. Moi, je comprends pas trop l'utilité. Donc, à décocher. Ne pas ajouter d'adjoint. Donc ici, pareil, laissez cocher. Ajouter des joueurs aux équipes jouables. Ici, ça va être intéressant de le mettre quand vous mettez des modes de jeu. Par exemple, quand vous allez rajouter le championnat régional 1 de France. Ben là, vous allez devoir sélectionner cette option pour que le jeu crée des joueurs pour ces championnats-là qui n'ont pas de base de données. Mais sinon, ne le mettez pas. Pour après désactiver le premier mercato, donc ça, c'est vraiment à vous de voir. Si vous voulez plus de réalisme ou que c'est votre kiff de commencer avec votre équipe et de pas changer dès le premier mercato, bah, cochez-le. Si vous voulez directement influencer sur votre équipe, laissez-le décocher. Donc au niveau de l'affichage des attributs des joueurs, ici, je vous propose de le laisser décocher si vous voulez encore plus de difficultés dans votre jeu, parce que tout simplement, ça va vous donner peut-être que des fourchettes, par exemple pour le tir, la finition, les passes, vous n'allez pas savoir le niveau du joueur exact. Alors que si vous laissez afficher les attributs des joueurs, directement, le jeu va pouvoir vous donner ses attributs et donc son niveau. Et je trouve ça un peu dommage parce que vos recruteurs, du coup, ne servent pas à grand-chose, juste à aller chercher et à vous proposer d'autres joueurs que vous ne connaissez pas, mais directement, vous allez pouvoir voir les attributs. Alors que si vous affichez pas, vous allez devoir bah, les scouts, prendre plus de temps pour pouvoir les recruter, ne pas vous précipiter, et ça va aussi un peu augmenter la difficulté pour votre partie, parce que tout simplement des fois vous pouvez vous faire avoir, vous pensez que ça va être un bon joueur, vous allez vite vouloir le recruter et au final il n'est pas si fort que ça. Donc ça c'est à vous de voir, c'est vraiment comme vous souhaitez. Comme il y en a d'autres qui aiment savoir les pépites et d'autres qui n'aiment pas connaître un peu les pépites du jeu parce qu'ils trouvent ça un peu aussi trop facile, ça c'est à vous de voir. Empêcher de prendre le contrôle d'équipe avec un entraîneur déjà en place. Pareil, ça vous pouvez le laisser cocher si vous voulez. Donc c'est pour laisser un peu plus de réalisme. Et empêcher l'utilisation de l'éditeur de jeu. Bah ça, je vous conseille aussi de le laisser cocher pour éviter la tentation aux triches. Parce que l'éditeur de jeu, tout simplement, vous pouvez modifier ce que vous voulez dans le jeu. Donc là maintenant, on se retrouve au niveau de la création de votre coach. Tout simple, prénom, nom de famille, tout classique. La nationalité ici, je vous conseille de prendre la nationalité du championnat dans lequel vous jouez. Il faut rajouter aussi les langues que vous êtes capable de parler. Si vous oubliez ça, ils sont capables, la presse, de créer de mauvais articles en disant est-ce que c'est pas compliqué pour vous d'entraîner une équipe en Angleterre, sachant que vous ne parlez pas un mot anglais. Donc ça, c'est important de rajouter, juste parce que ça va un peu plus vous faciliter la relation avec la presse dès le début du jeu. Ensuite, au niveau de l'entraîneur expérimenté, donc laissez nom si vous êtes novice et pas trop expérimenté.
Comme ça, au moins, le jeu va vous donner des petits tips sur des petits conseils pour mieux comprendre le jeu et pour mieux vous adapter, pour vous accompagner dans la meilleure compréhension, on va dire, du jeu. Pour l'apparence, c'est du classique, c'est assez simple à comprendre. Après, vous pouvez toujours créer votre modèle 3D à partir de votre photo. Donc, je vous conseille de le tester, mais après, ça, des fois, ça va rendre des résultats un peu trop chelous. Donc maintenant pour le style d'entraîneur. Tout simplement, vous avez deux trucs. Le niveau de qualification qui vont vous donner des attributs de coaching. Et ensuite, vous avez la carrière du joueur qui va vous donner des attributs mentaux. Le niveau de qualification, soit vous mettez, choisir la qualification en fonction de l'équipe que vous avez pris. Donc ici, j'ai pris la sélection de la Géorgie. Ça va me donner le diplôme Continental A. Peut-être sélectionner une qualification qui est en fonction de l'équipe que vous avez choisie. Comme ça, au moins, c'est pas aberrant. Après, si vous voulez plus de difficultés, bah, prenez un niveau qui est plus faible. Donc niveau national, par exemple, si vous prenez même une équipe de Ligue 1, ça va vous rendre la tâche beaucoup plus dur au niveau de la gestion de votre joueur. Donc ça, c'est à vous de voir. Et donc ça va influer sur le nombre de points que vous allez pouvoir vous attribuer au niveau du coaching et aussi des attributs mentaux. Les attributs de coaching vont influer sur votre entraînement. Donc les entraînements, je vais en parler dans une autre vidéo qui sera bien sûr dans cette série. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez continuer à suivre et à ne pas rater la vidéo sur les entraînements. Donc ici, vous pouvez choisir un peu ce que vous voulez. C'est pas très important. C'est-à-dire que vous pouvez sélectionner où votre coach va vouloir entraîner le plus et s'occuper un peu plus de l'offensive, par exemple. Donc vous allez enlever des points défensifs et rajouter en offensif. Au niveau des attributs mentaux, ici, il y a plusieurs différences. Donc si par exemple vous souhaitez rester dans un même club, l'adaptabilité, vous n'en avez pas vraiment besoin. Vous pouvez la laisser à 1 et privilégier par exemple la détermination ou la gestion des joueurs, le niveau de discipline, etc. Un deuxième truc au niveau des attributs mentaux, c'est si vous avez sélectionné afficher les attributs des joueurs, vous n'avez donc pas besoin de connaître la connaissance des joueurs et la connaissance des jeunes joueurs parce que le jeu va directement vous donner leurs attributs. Donc ici, vous pouvez sélectionner 1 et vous mettre au maximum dans le reste. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous ai un peu présenté comment créer votre partie avec les paramètres les plus optimaux pour vous, que ce soit en solo ou en ligne. Donc maintenant, vous allez pouvoir avoir votre partie la plus réaliste possible par rapport à vous, à ce que vous attendez de FM, mais aussi par rapport à votre PC, parce que des fois, on va pas se mentir, on peut pas se rajouter non plus tous les championnats du jeu, parce que la base de données, elle est tellement immense. Donc je vous remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit com ou un petit like. Comme je vous ai dit, cette série, elle continuera avec d'autres vidéos. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez d'autres tips pour ceux qui regardent la vidéo ou même pour moi. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusque-là et je vous dis ciao et à bientôt. Yeah.